ancienne cité impériale, Hanoï, et terminant par l'incontournable Bai Dalong. Évidemment que je dois très mal prononcer ces mots. Donc voilà, pardonnez-moi si jamais vous savez beaucoup mieux les prononcer que moi. Donc, on a un premier circuit. Paysages qui, à contre-jour, apparaissent.
laisse sur les feuilles translucides. Dîner en ville, nuit à l'hôtel. Jour 6, oui. Tuy, pieux, oui. 15 km. Petit déjeuner. Départ vers le village écotouristique de Tuy, pieux. Longtemps connu comme un symbole d'harmonie. Tout au long de cette journée, vous expérimenterez la vie dans la campagne vietnamienne. Aide à la fabrication d'objets artisanaux. Élaboration de spécialités locales comme les bonbons au sésame que vous garderez en cadeau. Balade à vélo dans les allées ombragées de la ville. Du village, pardon. Dégustation de fruits exotiques. Aide à la préparation d'un repas traditionnel chez l'habitant. Déjeuner dans la famille. Retour vers Hue. Embarquement à bord d'un sampan ou sampan. Bateau traditionnel pour une croisière sur la rivière des parfums qui traverse la ville et doit son nom aux parfums dégagés au printemps par les fleurs des arbres fruitiers poussant le long des berges. Visite de la pagode de la Dame Céleste qui fait partie des paysages cartes postales de la région du centre Vietnam. Ces 7 étages s'élèvent à 21 mètres et sont chacun dédiés à un Bouddha apparu sous forme humaine. Dîner et nuit à l'hôtel. Jour 7, Hue, Hanoï, train de nuit. Petit déjeuner. Visite du tombeau impérial de Duc, niché au milieu des frangipaniers et des pins, et agrémenté de pavillons posés sur des pilotis, au-dessus d'un lac recouvert de nénuphars et de lotus. Découverte d'une petite fabrique de chapeaux coniques. Déjeuner. Transfert à la gare pour l'embarquement à bord d'un train de nuit vers Hanoï, la capitale. Horaire de départ à titre indicatif, 15h20 en fonction des disponibilités. Panier repas simple pour le dîner à bord du train. Nuit à bord. Confort simple, 4 couchères à partager. Jour 8, Hanoï. Arrivée à la gare de Hanoï puis et transfert en ville. Horaire d'arrivée à titre indicatif, 5h30. Petit déjeuner de spécialité locale, la soupe pho qui se déguste dans des petits restaurants de rue. Hanoï semble vous replonger 50 ans en arrière. Plutôt aérée, très arborée, parsemée de lacs, elle s'adosse à la rive continentale, occidentale du fleuve rouge, auquel elle doit son nom, Hanoï. Début de la découverte de la capitale vietnamienne. Visite du mausolée Tho Chi Minh extérieur. La pagode aux piliers uniques et le temple de la littérature fondée en 1070 est considérée comme la première université vietnamienne. Déjeuner d'une spécialité locale, le bún cha. Passage devant le temple de Ngoc Son sur le petit îlot du lac de l'épée restituée. Un petit pacoton au milieu du lac posé sur l'îlot de la tortue qui rappelle une légende du début.